Marie Dumont et Bruno Seda. Merci de monter sur scène. Merci de les applaudir. Je vous donne chacun un micro. Voilà pour vous, Marie. Hop. Et pour vous, Bruno. Donc, Bruno Seda, qui est le réalisateur du film, qui est aussi scientifique de formation. Je crois qu'il est hydrologue. On en dira un mot tout à l'heure. Et Marie Dumont, du Centre d'études de la neige sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, pas très loin d'ici, Centre CNRS et Météo France. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. On va commencer par vous, Marie Dumont. On dit que le réchauffement climatique est plus prononcé en montagne et en haute montagne. Est-ce que ça, vous le mesurez, vous, de façon tangible? Alors, on a des observations qui montrent effectivement que dans certaines régions de montagne, l'élévation des températures est plus forte qu'en région de plaine. C'est aussi plus prononcé en Arctique, comme on a vu dans le film de Bruno, grâce à tout un tas de phénomènes en fait, d'amplification qui sont liés au relief et surtout à la couverture neigeuse. Comment on explique le fait que là-haut, les effets de ce réchauffement climatique sont plus prononcés? Un ensemble de facteurs, j'imagine? Alors, il y a plusieurs choses. La réponse, elle n'est pas unique. Je crois qu'un des facteurs prédominants, c'est vraiment la présence ou non de neige, qui fait que la neige qui recouvre le sol renvoie le rayonnement solaire, donc on absorbe moins d'énergie. Et moins on a de neige, plus l'élévation des températures continue, plus ça devient noir et plus on absorbe d'énergie. Donc, on a vraiment un phénomène d'accélération qui est lié à la présence de neige. Est-ce qu'on appelle l'effet albédo, c'est ça? On peut l'appeler comme ça, oui, effectivement. Quels autres facteurs peuvent agir? L'altitude va jouer aussi également sur le déplacement des masses d'air, en fait. Et puis, voilà. C'est la même chose en Antarctique, parce que finalement, il se passe un petit peu la même chose par rapport à la couleur de la neige et à l'absorption de la chaleur. Il se passe un petit peu la même chose en haute altitude et dans les régions arctiques-antarctiques. C'est le même phénomène? Alors, en partie, oui. Donc, cette question de couleur, c'est le même phénomène un peu partout dans le monde, enfin, dans les régions couvertes de neige. Après, en Arctique et en Antarctique, il y a des questions aussi de circulation globale atmosphérique qui font qu'il y a des systèmes qui étaient isolés avant, qui ne le sont plus, qui augmentent la circulation d'air et la hausse des températures. Alors ça, c'est pour la hausse des températures. Mais est-ce que le réchauffement climatique a une influence aussi sur la quantité de neige qui tombe chaque année sur la planète? Alors, je vais faire une réponse de scientifique, ça dépend des endroits. Mais en fait, y a le principal effet du réchauffement climatique, c'est que comme il fait plus chaud, l'eau, au lieu de tomber sous forme de neige, elle tombe sous forme d'eau. Donc on a moins de neige. Après, sur la quantité d'eau qui tombe au total au cours d'un hiver, il y a des endroits où il y a des tendances à la baisse, des endroits où il y a des tendances plutôt à la hausse. Mais au global, je ne crois pas qu'il y ait de tendance très marquée dans un sens ou dans l'autre. Parlons d'un endroit que vous connaissez bien et que les Grenoblois et les Grenobloises connaissent aussi, le col de Porte. Il y a une station de mesure de Météo France là-bas où l'on mesure les quantités de neige qui tombent pendant l'hiver. Qu'est-ce que vous mesurez là-bas? Parce qu'il y a je crois qu'il y a des dizaines d'années de données là-bas. Alors oui, effectivement, là où on mesure les variables, on va dire, météorologiques, donc la température, etc., puis aussi la quantité de neige depuis 1960, on va dire. Donc c'est une des plus longues séries de données au monde en montagne sur l'observation de la neige et de l'atmosphère. Et qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on mesure? Alors, on mesure bien sûr une diminution de l'enneigement. Donc, avec en 30 ans, le manteau neigeux moyen a perdu 40 cm. Donc, c'est à peu près un peu moins de la moitié de l'enneigement total. Et une augmentation de quasiment 1 degré aussi sur 30 ans. Donc, il neige moins? Il neige moins. Il y a la même quantité d'eau, mais il neige moins parce qu'il fait plus chaud. Et il peut plus. On peut encore quelque chose? On peut inverser, enfin peut-être pas inverser la tendance, mais et on peut agir encore? Bah oui, c'est ce que dit le film de Bruno, hein. Il faut agir maintenant, on peut agir. Après, ce qui est sûr, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va influencer plutôt ce qui va se passer quand nos enfants seront grands, et pas ce qui va se passer demain, mais c'est très important d'agir tout de suite en fait. C'est le message du film, Bruno Seda. Je crois que ce film, l'idée est partie de la COP21. Oui, c'est ça, oui. Donc une association qui s'appelle Sommet pour Climat, qui avait développé un projet à l'époque. Et donc, on avait fait pas mal d'images. Et l'idée, c'était d'avoir un recul un peu là-dessus. Et puis, internationaliser le film pour aller voir ce qui se passait dans d'autres massifs montagneux. Et j'ai eu l'opportunité d'aller tourner à différents endroits du monde pour rencontrer des scientifiques.
et puis pour faire un bilan général et montrer vraiment que c'est général. Hein, Et il y a des effets totalement inattendus. L'histoire de ce lac au Canada, c'est assez extraordinaire. On va perdre la couleur de ce lac. Oui, puis l'histoire est assez sympa parce que donc j'étais au Canada et j'ai rencontré ces scientifiques vraiment par hasard. Et donc, on a improvisé une interview au bord du lac qui m'ont appris plein de choses. Et moi-même, je ne connaissais pas ce phénomène. Je trouvais très intéressant de le mettre en avant. Et des choses aussi simples que la couleur des lacs peut changer à cause du réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez que le message sur ce réchauffement global passe ? C'est-à-dire, est-ce que les gens ont bien conscience, de votre point de vue, que on est dans un phénomène généralisé, observé, mesuré ? Je pense qu'il y a une tendance, et bon, ma génération est quand même une des premières générations aussi à s'en rendre compte. La génération suivante, ça sera encore mieux, on l'espère. Mais en fait, il y a encore beaucoup de climato-sceptiques. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de publications de recherche qui montrent les effets du réchauffement climatique. Il suffit qu'il y ait une publication qui montre l'inverse. Et c'est cette publication qui va être plus médiatisée. Alors dans le monde, on passe des publications scientifiques dans le monde entier, hein, notamment dans le monde entier, anglo-saxon. Oui. Voilà. Et donc, ça donne du grain à moudre pour les climato-sceptiques. Et ensuite, il y a encore du travail à faire derrière. Et donc, la sensibilisation doit continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, vous, moi, le public ? Alors, j'essaie de montrer qu'il y a des différentes actions à faire du niveau vraiment local, donc l'investissement dans des associations ou autres, ou au niveau politique, donc et plus à l'échelle d'une ville ou d'un pays, là où on peut avoir notre rôle de citoyen, et c'est à travers le vote. Mais à l'échelle locale, tout le monde peut agir en s'impliquant dans des projets de transition écologique ou même... Comme Appui Saint-Vincent, là, on va dans comme Appui Saint-Vincent. Ça peut être la gestion des déchets, c'est vraiment général, hein, c'est de la gestion des déchets, la gestion de l'eau, jusqu'à s'impliquer un peu plus profondément dans les projets. Justement, la gestion de l'eau, puisque vous travaillez sur l'hydrologie, hein, c'est votre domaine de compétence, là aussi, il faut s'inquiéter pour les années à venir, pour les ressources en eau. Et oui, et même en France, donc, moi je travaille sur des procédés de traitement de l'eau, donc on parle beaucoup de recyclage des eaux usées, et on a déjà beaucoup de retard en France. On recycle à peu près moins de 3% de nos eaux, il me semble, alors qu'en Espagne, en Israël, en Californie, on est sur des pourcentages bien plus importants. Et on voit cet été, on a quand même des problématiques de sécheresse qui vont nous amener à repenser un peu notre mode de gestion de l'eau, même en France, qui est réputé pour être un pays plutôt... on va dire humide, mais avec pas mal de rivières. Et il faut garder ça en tête. Merci beaucoup, Bruno Seda. Merci, Marie Dumont, d'être venue avec nous cet après-midi.